Qui va être un petit peu particulier parce que je vous emmène entièrement dans ma journée, donc depuis ce matin jusqu'à ce soir, suite à la proposition que ma grande m'avait faite par rapport à ça et que vous étiez plusieurs à avoir répondu positif. Donc c'est parti, c'est aujourd'hui que ça commence. Donc voilà, donc là j'ai été déposer les enfants à l'école, j'ai papoté avec une maman, donc il est 10h et je vais m'occuper de tout ce que j'ai pas pu m'occuper avant de partir à l'école, donc c'est-à-dire du clean-up, de la cuisine, de la salle à manger, et puis après c'est parti pour toutes les tâches que j'ai à faire durant cette journée. Et en plus, cette journée va être un petit peu décousue parce que je dois aller récupérer ma grande et ses copines au collège de l'après-midi. Donc voilà, ça, c'est pas habituel, mais aujourd'hui, elles finissent plus tôt. Donc voilà, donc j'irai les récupérer tout à l'heure. Et puis, il y a orthophoniste aussi ce soir après l'école pour mon petit loup. Donc voilà, donc il y aura plusieurs petits allers-retours dans la journée. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas d'avancer dans mon quotidien. Donc, en route!
Durant ma journée, le livreur est arrivé et j'ai reçu mon colis que j'avais passé commande chez La Redoute, mais finalement ça vient de Milan Cadeau, a priori, le vendeur. C'est parce que je cherchais une housse de couette toute blanche pour notre. Bon, ça ira dans notre chambre là, mais c'est pour aussi que ça aille parfaitement dans notre future chambre. Et franchement, c'est très difficile de trouver des housses de couette blanches, mais unies pour des grandes couettes, pour des 260 x 240. Et c'est surtout à un prix correct, parce que sinon, on monte dans les 70, 80, j'ai vu des trucs. Alors, c'est sûr, il y a des petites broderies, c'est magnifique, hein, j'avoue. Peut-être qu'un jour, je suis comprée, je ne dirais pas non. Mais en attendant, voilà, j'ai trouvé chez La Redoute. Elle était à combien la parure? Elle était à 26. Ah bon, il y avait une offre aussi, hein, c'est parce que vu que c'était la période du blanc, voilà, il y avait une promotion dessus, c'est pour ça que j'en ai profité. C'est vrai que le linge blanc, je l'achète beaucoup quand c'est la période du blanc parce que ça vaut vraiment le coup, il y a vraiment des offres. Ou sinon en fin d'année quand ils changent de collection. Enfin voilà, faut trouver le filon en fait pour changer ses draps parce que sinon c'est un budget monstre quand même. Donc là je l'ai trouvé à... Non, 32 euros pardon parce que c'était hors TTC. Donc c'était hors taxe mais avec taxe ça fait 32 euros. Donc voilà, bon après j'ai eu les petits frais de port parce qu'avec ceux-là ils n'étaient pas compris avec la redoute. Donc en tout j'en ai pris 36 euros et franchement ça vaut vachement le coup. Parce que voilà, je suis super contente. Elle est toute blanche. Voilà, c'est joli comme ça. Et ça paraît très bien. Donc je suis contente. Donc voilà, le petit bon plan. La Redoute font des super soldes sur les draps. Et franchement, c'est une très bonne qualité. J'en ai pris l'année dernière pour mon fils. À la rentrée, parce qu'ils faisaient des promos aussi. Et j'en avais pris deux paires. On a aussi celle de Noël que j'avais pris là-bas et franchement tout tient nickel. Je les lave tout le temps à 60, ça passe au sèche-linge, ça sèche dehors ou ça sèche à l'air. Enfin, elles ont droit à tout les parures et elles tiennent nickel. Donc franchement, je recommande plus. Bon allez, hop, petite parenthèse parce qu'aujourd'hui c'est un peu speed, donc c'est pour ça que j'enchaîne vite. Là, je vais préparer une partie du goûter qui sera pour demain parce que demain on n'est pas là avec Fanny. Donc voilà, donc je le fais ce matin et au moins comme ça fera soit pour aujourd'hui. Enfin aujourd'hui il y a des restes d'hier, donc il y aura un gâteau aux pommes en plus. Voilà, les enfants choisiront même si je ferai des petits encas parce que vu qu'il y a orthophoniste ce soir, les enfants mangent à la voiture, donc voilà, je proposerai ce qu'il y aura. Et ils choisiront pardon, ce qu'ils voudront. Donc c'est reparti! J'étais récupérée les filles, mon dieu, on était trempées, mais de chez trempées, je ne voyais plus rien. La condensation de. Enfin, voilà. Sur ma voiture, en fait, Sur ma petite voiture, la buée, la condensation, je voulais même carrément ne plus s'enlever du tout. Je ne voyais strictement plus rien. J'ai même une des petites copines que j'ai pas pu ramener jusqu'à chez elle, tellement que c'était des grillons et que je ne voyais plus rien du tout sur la route.
Donc voilà, donc on a enchaîné ça, l'orthophoniste et compagnie. Donc là il est 18h, j'étais en train de préparer tous les papiers. Hein ? Oui, je disais que j'étais en train de préparer les papiers demain pour notre rendez-vous avec Fanny. Et que voilà, j'étais un peu en train de réorganiser au niveau administratif parce que j'ai des papiers à aller déposer aussi. Et d'un colis à récupérer aussi demain matin. Enfin voilà, demain matin, on va la récupérer à midi à l'école. Ça va être un peu la course. Mais ça va se faire. Les goûters sont prêts pour demain. Il y a ce qu'il faut plus. Je pense qu'il y en aura même pour dimanche aussi. Donc voilà. Donc là, 18h, les Mimi a gardé leur petit film. Je suis désolée, j'ai un truc qui me gratte. J'ai dû me faire manger par je ne sais quoi cette nuit ou avant-hier. Je ne sais plus quand est-ce que ça a commencé à me gratter. C'est vraiment des petits boutons là. Comme si c'est une araignée ou je ne sais quoi, mais ça gratte comme des moustiques. Donc elle regarde vite faire un petit épisode et puis après on va aller vraiment choisir les bottes parce que Rosy est rentrée comme pour mieux toute mouillée la peau, ils l'ont changée à l'école. Donc il faut que je remette les fringues de rechange. Donc il faut que je prépare des chaussettes et un legging pour remettre dans sa petite boîte d'habits de rechange. On va faire les boîtes. En fait les bottes, je pense que je vais même carrément leur prendre des. On a des après-ski. Faut que je regarde s'ils en font encore et s'ils sont propres, mais je pense que je vais reprendre ça. Là, je vais aller faire check-up aussi au niveau des manteaux pour vérifier qu'ils n'aient pas les manteaux tout mouillés pour demain pour partir à l'école. Les mettre sur les radiateurs s'il faut. Donc voilà, donc je vous emmène plus ou moins avec moi parce que honnêtement, là, à partir de 18h, c'est un petit peu tendu au niveau des horaires parce qu'il y a tellement de choses à faire. Faut que je prépare la soupe aussi pour ce soir, le velouté et légumes. Donc voilà, donc je vous emmène plus ou moins avec moi ce soir. j'avais dit que je vous emmènerais du matin jusqu'au soir, mais à partir de 18h, c'est un petit peu tendu. Jusqu'à l'heure du coucher, tellement qu'il y a de choses à faire et qu'on a très peu de temps. Donc voilà, donc j'ai fini de vous papoter et j'y retourne parce que il est 18h10. Lizzie, Rosy, les voir, j'ai trouvé des petites bottines. Ouais. Ah, attends, c'est quoi ça? Je sais plus. Enfin, des bottines, c'est des bottes. Attention. Ça, c'est pour toi, Rosy. Voilà. Mets-toi debout. Non, ça, c'est le pied, Lizzie. Est-ce que ça va, toi? Avance. C'est pour que tu patines les pieds au sec. Ça va? Oui. Non, pose ton pied, toi. Attends, arrête de bouger. Ça va ou c'est un peu grand? Oui, ça va. Vas-y, marche avec les deux. Vas-y, reviens. Tu vois? Arrête. T'es jolie? Oui. Ok, ça a du bon de garder les chaussures des enfants, des aînés pour les plus jeunes. J'ai plus qu'à. Voilà, donc je disais, ça a du bon de garder les chaussures des aînés pour les plus petits. Parce que comme ça, hop, un coup de grenier et on a les tailles. Donc finalement, Lizzie a des après-ski à moitié là. C'était Hello Kitty quoi. Bon, c'est pas le truc que j'aime forcément, mais. Tac! Au moins comme ça elle arrache au pied, en plus elle veut les mettre dès demain matin, donc bon on verra. Et Rosy, elle, c'est des petites bottes, des Cathy Mini. Hop, elles sont toutes mimi, mais je voulais regarder si j'avais pas aussi des... Je sais qu'on a des après-ski dans le garage, qui utilisent comme de bottes pour aller traîner dans le jardin. Et je voulais voir s'il y avait la taille aussi à Rosy pour pas qu'elle ait froid au pied. Parce que finalement ces petits après-ski qui sont assez légers... C'est pas mal pour les jours de pluie, ça évite que les petits loups ils aient froid aux pieds avec leurs chaussures. On se voit plus du tout. Voilà. Est-ce que j'ai sa taille? Ah, ça va être que des petites tailles ça. 26, ça fait du 27. Au pire, ça pourrait aller, mais pff, le temps que je lui décrotte tout ça, pas sûr que
pour demain. 24. Ouh, voyons, il va falloir que je fasse du tri là-dedans. Bon. Finalement, on se revoit plus. Elle ira avec ses petites bottes. Ça, je n'ai pas. Je savais qu'il existait des grandes chaussettes exprès. C'était sur Verbaudet une fois que j'avais vu ça. Et je crois que je les avais pris quand ils étaient petits. C'était des chaussettes spéciales bottes en fait. C'est parce qu'il y avait une moumoute qu'on remettait par-dessus la botte. Et ça fait que ça faisait des bottes genre printemps, hiver. Et je leur mettais ça l'hiver et c'était c'est vrai que quand j'y repense c'était aux aînés que je faisais ça. Et c'était vraiment pas mal, ils avaient ça l'hiver et je pense que c'est pour ça qu'après j'avais acheté les après-ski à Wendy. Les Hello Kitty. Comme ça là, parce que finalement ils mettent ça l'hiver, les gros jours de pluie, et ça leur allait bien. Mais bon, c'est bizarre qu'elle avait la 5ème et la 6ème que j'ai oublié, cette astuce que j'avais. Mais bon. Bon, allez, ça c'est bon. Bon, je crois qu'il y a des manteaux mouillés. L'avantage d'un radiateur en fonte, c'est que je vais pouvoir en mettre partout à sécher. Avec moi, et encore je vous ai pas emmené dans tout, mais c'était dans le maximum que j'ai pu vous emmener. Donc je vous dis